Plastic Symphony. Mama povedala, že bude môj brat a bude bývať s nami. Pekné, že si dostal brata. In der Philharmonie verschwendest du nur deine Zeit. Bei uns wärst du dein eigener Herr. Ohne Einschränkung. Freiheit. Večer nespíšu sama. Nemôžem zaspať. La musique, ça a vraiment une très grosse importance dans ce film. On a même l'impression que c'est construit comme une symphonie, avec plusieurs mouvements, plusieurs intonations. Est-ce que la musique est un vrai personnage du film? Ďakujem pekne. Ako veľmi pekná otázka, ktorá... Merci pour cette question que je comprends tout à fait bien, parce que c'était justement notre intention de faire évoluer la musique par des mouvements en tant qu'un personnage qui aussi évolue au cours du film. Donc tu as tout à fait trouvé notre intention pour attribuer à la musique un rôle, un des rôles principaux dans le film. Tak sme chceli vlastne vytvoriť vlastne cez vývoj tej kompozície, že to je tiež jedna z postáv, ako keby. Moi, je vais peut-être poser une question, après je te laisse la parole à Pierre. Ce qui m'a intéressé dans le film, c'est qu'en fait, il embrasse toute la région de l'Europe centrale. Et si je compte bien, il y a des acteurs slovaques, évidemment, mais il y a un acteur tchèque. Le petit frère, c'est un tchèque. Il y a l'acteur principal qui est polonais. L'actrice, la fille, elle est d'origine hongroise. Il y a un acteur autrichien, si je ne me trompe pas, qui est d'origine roumain. C'est juste tout l'empire austro-hongrois qui revient sur la scène avec toute sa richesse. Moi, je voudrais demander à Juraj, comment il a fait son casting, et s'il peut nous parler un peu de comment il a choisi ses acteurs. Pomerne náročné v začiatkoch. Začalo to celé od hlavnej postavy. My sme chceli... Tout a commencé par le rôle principal. De mon point de vue, c'était pas facile de trouver un acteur qui, avec une gestuelle minimaliste, avec des expressions vraiment très minimalistes, puisse exprimer des choses très profondes. Stvárnení, vyjadriť aj bez slov veľa vecí. Hľadal som vlastne a rozmýšľal som... Avec tout le respect que je porte pour les acteurs slovaques, je ne trouvais pas parmi les acteurs actuels un personnage qui correspondrait à ce que je cherchais comme acteur. Et puis avec mon caméraman, on a fait des recherches et nous avons trouvé Bartosz Bielenie, dont le visage un peu mystérieux cachait aussi beaucoup de sentiments. On avait l'impression de lire un certain orgueil, mais aussi des blessures et certaines recherches aussi de peut-être bonheur. Et donc c'est là où nous nous sommes arrêtés sur lui et ensuite nous avons demandé à ce qu'il se présente à notre casting. Donc c'est un acteur polonais que nous avons découvert pour nous. Herecké skúšky. Stretli sme sa v Krakove. Vtedy ešte Bartosz Bielenia bol pomerne neznámy herec, bol to hlavne divadelný herec, veľmi talentovaný. Nous l'avons rencontré à Cracovie et à l'époque, il était principalement acteur de théâtre, il n'était pas très connu. Et c'est seulement quelques 6 mois plus tard que nous avons réalisé que c'est une véritable star, parce qu'il a été nominé pour sa prestation dans le film Corpus Christi aux Oscars pour la Pologne de cette année. Corpus Christi na nomináciu Oscara vlastne za film vlastne za Corpus Christi. Ďalším postavám, áno, neskôr
Som cítil, že bolo Sabine Tamberák je l'ami, l'ancien ami de classe protagoniste. Il a accompli une de mes conditions, à savoir d'avoir dans l'ensemble des acteurs un véritable musicien. Cet acteur qui est d'origine roumaine, mais qui vit en Allemagne, et donc a été sélectionné, choisi pour être son ami de classe de l'école de musique à Berlin. Et donc moi, en tant que documentariste à la base, je suis allée le chercher pour avoir un véritable musicien dans le casting de mon film. Dokumentaristicky vytiahol ako keby jeho background, ako keby v istých veciach, že vo všeobecnosti veľmi rád. Généralement, je travaille avec le contexte de mes acteurs, parce que parfois, dans leur vie, il y a quelque chose qui se transmet aussi sur l'écran. Et le personnage qui a été interprété par Sabine a été pour moi une véritable inspiration, parce que c'était un vrai musicien, mais qui est devenu acteur, et ça m'a aussi inspiré pour mon film. Il y a donc aussi Judith Baroš, qui est une très grande star tchécoslovaque, je peux dire, d'origine hongroise, et nous avons souhaité la faire jouer dans un autre registre, une fille plutôt simple et sans une vie mondaine. C'est un peu simple, čistý život, et ça nous a lákalo. Oui, c'était pour nous reparler un peu du personnage principal. Je trouve qu'il reste très mystérieux et qu'il s'exprime peu, il répond pas toujours aux questions. Donc j'avais l'impression qu'il avait une tristesse en lui, un mal de vivre. Et est-ce que vous aviez envie de nous expliquer un peu plus comment vous voyez ce personnage ? Nous avons travaillé avec un caractère d'un jeune homme qui, ce n'est pas... Ce n'est pas dit ouvertement, mais quand même, on voit qu'il n'a pas de parents. C'est quelqu'un auquel on a fait du mal dans le passé et qui a besoin de réussir sa vie. Et peut-être qu'il a besoin aussi d'applaudissements, il a besoin de succès. Et donc, c'est dans cette lignée que nous l'avons projeté. Potrebenie byť slávny, mať potlesk, uznanie. Bonsoir. Alors merci beaucoup pour ce très beau film et avec l'hommage en quelque sorte qui représente aussi à la musique classique européenne. Oui, donc une question par rapport puisque il y a un acteur polonais, donc je vais aussi parler de la Pologne. Dans le style, j'irai dans l'approche, dans les cadrages, la coloristique. Ça m'a quand même fait pas mal penser à Kieślowski. Je ne sais pas si c'est à cause de mes liens avec la Pologne, mais je voudrais savoir si c'est une influence pour vous, une référence. Et même aussi, les premières notes de la symphonie plastique, ça m'a même rappelé la musique de Preissner dans Bleu de Kieślowski. Quand j'étais étudiant, j'adorais les films de Kieślowski. Avec mon caméraman Timothée Kryžok, je ne peux pas dire qu'on était vraiment accroché à une inspiration, on ne suivait pas des modèles. Mais je dois dire que ce que vous avez vu, c'est son beau travail qu'il a mis en scène et je m'en suis vraiment beaucoup entendue avec lui. Et par ailleurs, il était aussi co-auteur de ce scénario. Scénario.